D'après vous, qu'est-ce qui unirait toutes les femmes adultes de différentes ethnies, âges, pays, métiers, passions et modes de vie? Les femmes ont ce qu'on appelle des menstruations. Ce phénomène mensuel est dû à la destruction de l'endomètre dans l'utérus. L'endométriose est une maladie gynécologique courante où des cellules similaires à celles de l'endomètre migrent à l'extérieur de l'utérus. Ceci entraînant de la douleur, de la peur, des situations taboues. D'après des statistiques sûrement sous-estimées, au moins une personne menstruée sur 10 est atteinte d'endométriose. Cela correspond à 50. C'est comme si les cellules allaient voir ailleurs et décidaient de migrer à un endroit où elles ne devraient pas et y resteraient, sans tenir compte du cycle de la femme. Passe 7 ans dans la peur et dans l'ignorance avant d'apprendre qu'elle est atteinte d'endométriose. Actuellement, il n'y a pas de diagnostic efficace non invasif pour détecter l'endométriose. La méthode majoritairement utilisée est la laparoscopie, qui est cependant risquée et chère. Cette année, l'équipe IGM Go Paris-Saclay vous invite à suivre notre aventure afin de trouver une solution à ce problème. Notre projet Endosic a pour but de créer un système de tests non invasif basé sur la détection de biomarqueurs micro-ARN. Ce diagnostic sera rapide, sûr et peu cher. Le problème n'est pas seulement biologique, mais aussi social. De plus, nous avons réalisé que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant de l'existence de cette maladie. C'est pourquoi nous avons décidé d'échanger avec des médecins, des patients et de sensibiliser d'autres personnes à propos de ce problème, des adultes aux enfants, tout en tenant compte des capacités et besoins de chaque groupe de personnes. Ce qui nous attend, beaucoup de travail et d'espoir de réussite. Alors rejoignez-nous dans cette aventure.